Est-ce qu'il y a une qui a bugué? N'aime pas du tout. Comment on fait ça? L'image se charge. Bon, Skyrim. Alors, c'est bon. Elgen, détruite par un dragon. C'est dur à croire, pas vrai? Normalement, j'ai rajouté quelques petits mods. Ça, je sais. Est-ce que... Non. Ça, je dis rien. Pour l'instant, j'en ai pas besoin de ça. Pour l'instant, c'est une. Ah, je vous montrerai. Ce sera une petite baraque pour plus tard. Bon. Hop. Je vais prendre mon inventaire juste. Un petit peu. Ouais. Ah ok, j'avais ça inséré. Non mais écoutez, faut que je la vende. Je ne prétends pas être la meilleure force. Épée, casque, à peu près tout ce qu'il vous faut. Hop.
Voilà. De côte. Espadon d'acier. Rien de. N'oubliez pas d'aller voir à l'intérieur si vous avez besoin de quoi que ce soit. Ouais. Tellement les chargements sont rapides, je vais pas le temps de voir des skills. Bon. Quête. Où trouver la pierre de dragon. Ok. Ah. Non. Mais je crois ouais ça. C'est bien, il n'y ait plus ce bug. C'est parfait ça. C'est parfait, c'est parfait. Ils sont toujours les cagites. Je me demande si nous devons. Vous avez besoin de quelque chose? Les deux. L'un des camps finira forcément par gagner la guerre. On peut parler avec eux. L'air est si clair en bord de ciel que le regard porte à l'infini. Vos ennemis ne vous verront même pas arriver. Ouais, ça coûte. Si nous offrons une réduction de camp, les vainqueurs en persécution pour avoir aidé les vainqueurs. Juste un niveau, c'est sûr. Bon, j'en ai pas assez d'argent. Cheval aussi, pas assez. Parti. Putain, magnifique. Garde. J'ai d'avance que je vais avoir une prime si je tue la poule. Ici, on a un soldat là. Enfin, un garde. Ok. Qu'est-ce que tu fous là, la vache? Donc là, oui, un géant. C'est F5, la sauvegarde rapide, non? Je sais pas pourquoi je sens que j'ai regretté. Qu'est-ce que tu veux, le géant? J'ai une épée là. Why not? Je l'attaque ou je l'attaque? Oh. Aïe.
Donc, d'accord. Je suis pas assez au niveau pour votre ingénieur. Oh, tant pis. Ah oui, c'est vrai que j'avais la... Ah oui, j'ai rajouté un petit mec hier. Qui rend les voix plus jolies. La paye. J'ai du chou-frais. Je pense faire un ragoût de chou. Dorty ne mangera pas ça. Vous voulez laisser notre enfant mourir de faim? Elle doit apprendre à manger ce que je lui sers. Vraiment, vous gâtez trop cet enfant. Sans compter que c'est l'une de vos préférées. Oui, c'est vrai. J'imagine que ça ne lui fera pas de mal d'en manger au moins une fois. En parlant de gâter Thor, qui lui a fabriqué une nouvelle poupée la semaine dernière? Ne faites pas attention. Okay. Dites-moi ce qu'il vous faut. Paris Mir, si c'est simple et solide, je peux le forger. Du travail, prenez une hache et ramenez-moi autant de bois que vous pourrez en couper. D'accord. Vous avez affaire à Rivebois? Ah oui, tiens. C'est vrai que j'ai sacré à elle. Maison de Gerdure. C'est Gerdure. La maison de Gerdure, je suis. Fendal pense qu'il peut me dérober Camilla Valerius. Je n'arrête pas de lui répéter qu'elle est déjà mienne. Ça va être par là. Peut-être celle-là. Armure clotée. Ouais, je prends. Ça, je vendrai. Oh là, fait le dragon. Je prends. Peut-être l'hydromel. Vas-y, je prends. Frompton. Non, c'est pas ça. Ah! C'est pas ça que je voulais. Coffre. Bon, moi je m'en fous. Peau d'ours, je prends. Potion de négociation. Fonte, non, c'est la bourse que je veux. Voilà. Yes.
Ah bah lui là. Pain de ce. Ouvrez bien les yeux. Puissent les dieux veiller sur vous au cours de vos batailles. C'est parfait ça. Hop. Du coup, je vais refourguer. Moi aussi, j'étais aventurier autrefois. Et puis j'ai pris une flèche dans le genou. Allez, tiens. Vous êtes à la recherche d'une nouvelle lame ? Peut-être. Qu'est-ce que c'est ? Mieux en matière d'armes et d'armes. Hop. Déjà, je te montre. Hop. Écoutez. De loup. Ah non, regardez donc. À toi. Alors, les armes. Une sphère de fatigue. Ouais. Armure d'acier. Ah, j'ai pas assez. Hop. Ouais. Bon. Allons en tertre. Ce petit meuble là. Sympa. Jeter l'ambiance. Non, je peux pas attendre. Un peu de loup, je prends. J'ai rajouté un petit meuble qui va mourir la neige. C'est pas trop. C'est magnifique. Ah oui. Ça me vient rapide. Non, c'est pas tel que je vais, c'est ça. Où est-ce qu'il est l'arc? Ah, j'ai pas mis en favori. Alors, objet. Arme. Impérial favori. Alors. Ouf. C'est tout, il n'y a plus personne. Pourquoi qu'il n'y a plus personne? J'en prends une hache. Oh lui. Dans le nez. Alors, qu'est-ce qu'il a? De l'or, un hache d'armes d'acier, ouais.
flèche, or. Elle n'est pas la flèche. Non, dommage. N'approchez pas davantage. Où est-ce que t'es ? N'approchez pas davantage. Où est-ce que t'es ? Viens ici. Hey ! Ouais. Une armure de fer 27 17 crochet je prends. Ouais, c'est mieux que la mienne. Armure 27. Guerre mieux. De l'or. Parfait. Allez hop. Terre de chute. Ouf. Cette sauvegarde. Arc impérial. Fuck. Allez bien. Voilà. Viens ici toi. Ouais. Ton arc. C'est... Je sais c'est quoi, c'est ça. Viens ici. Voilà. Allez, viens ici. Viens là. Voilà. Bon, plus personne. Y'a plus personne. Crochet. Ah. Alors lui. Hop. Voilà.
Hop. L'autre immoral. Alors, on y est plus. Hop. Chez Automate. Vas-y. Oh, du premier coup. Hop. Ouais, je garde mon pour l'instant. Que droit de nord, hop. Ah oui, c'est vrai, j'ai rajouté des ajouts d'ambiance. Ici. Vide, oh, ok. Un truc ici, petit coffre, non. Pas un truc en haut là. Du coup. Serpent, serpent, poisson. Hop. Serpent. Voilà. Lire, voleur. Alors, arme cloutée, rough. Je crois que j'ai vu qu'il y avait marqué vie. Vie aussi, j'ai une spirituelle. Je prends. Ouais, bon, c'est un petit peu utile. Il y a quelqu'un? Arknir, c'est toi? Bien. Solig. Je sais que vous survolez avec la clé, mais j'ai besoin de
Si. Salut ma belle. Allez, viens. Vous avez réussi. Vous l'avez tué. Maintenant, libérez-moi avant qu'une autre créature arrive. Oui, la griffe. Je sais comment elle marche. La griffe, les marques, la porte dans la chambre aux histoires. Je sais comment disposer tout ça. Oui. Aidez-moi et je vous montrerai. Quand vous verrez toute la puissance que les Nordiques ont cachée ici, vous n'y croirez pas. Le saint souffle d'Arkay, je vous remercie. Elle se détend, je le sens. Tu disais. Alors. Ouf d'or, je prends. Qu'est-ce qu'on peut. Alors, on va lire son petit livre. Non. Ah. Table, objet. Dans les livres. Journal d'Hervé. Je crois ça. Mes doigts tremblent. La griffe d'or est enfin entre mes mains. Et avec elle, le pouvoir des grands héros nordiques. Cet imbécile de Lucan, Valerius, ne s'était jamais douté que son pupille favori était en fait la clé du tertre. Des chutes tombées. Il n'a plus qu'à pénétrer dans la chambre aux histoires et à dévoyer la porte. Je l'en dis que les Nordiques ont conçu un piège censé repousser ceux qui ne sont pas dignes, mais aussi que celui qui a la griffe d'or tient la solution dans sa pomme de sa main. Ok. Parfait. Non, c'est pas ça que je veux. Ouais. Alors. Vide, vide. Vide. Je le prends. Je le prends. Je le prends. Vide. Ok. Ah ben. Vide, ok. Ouais, rien. Sinon, continuons. Non, ok. Hop. Ça va sur le mode. Voilà. Et ici, tout.
Alors, donc forcément, pas d'argent, or. Parfait. Hop. Voilà. Flèche nordique. Hop. Du premier coup. Alors, gantelet en peau, non. Je t'assure, non. Or, parchemin. Ouch. Ça me descend. Coucou toi. Non, je sais pas, je me trompe. Et un. Ah. J'ai fouillé. Pas de fouillé. Ok, venez. Vas-y, je prends. Voilà. Oh, je prends un peu de magie en attendant. Alors, dans le coffre, je prends tout. Crâne de crâne, caracac. Alors, hop.
tu sauvegardes rapidement, c'est bon. Ah. Allez. Ah, presque. Bingo. Armure en bande. 31. Et mon armure fait 29. Ça donne sûrement. Oh, ça va. Non, pas mal. C'est pas qu'on remonte. Ah, pardon. Par là, par là, par là. PC. Je joue sur PC. Un plus. Voilà. Alors, masse de fer. Non. L'or. Parchemin. Potion léger. Rien d'autre. Non, c'est bon. Parfait. Continuons. L'ours de lin, c'est pas utile. Ouch. Alors. Ah, pas celui d'homme. Je prends mon niveau. Table, niveau. Je vais monter mon magie. Ah, on a plus de victoires aussi. J'ai augmenté mes destructions. Non. Ça. Échappe. Non. Non, c'est pas ça que je voulais.
compétences. Après, j'augmente. Armure lourde. Ouais, va prendre armure lourde. On va faire autant. Ah, comme ça. Ok. Voilà. Ouais, ça c'est. Donc, le ciel a sur distance réelle, c'est parfait. Je vais flèche automatique. Hop, bon, y a rien. Hop. Parfait. Ta 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 ta. Ouais. Ok. Ah. Alors. Objet, ça doit être dans ça. Aussi la griffe. Griffe d'or. Ours, papillon. Hibou. Alors. Papillon. Voilà, parfait. Parfait. J'ai quoi ça? Ah, je lâche. Ok. Alors, 200%. Ça, je l'ai déjà, il me semble. Et déjà. Ok, j'ai eu sort que j'avais pas pris. Mon puissance a pris. De frisson nordique. Bon. Prends le fer de dragon. Bingo. On va fouiller un petit peu. Ah. Un petit coffre ici. Qu'est-ce qu'on peut? Ouais. Voilà, ça c'est fait. Hop. Là. Là, rien, rien. Alors, continue.
Inquisiteur. Allez, sortons d'ici. Pas eu le temps de dire. Voilà fait. Bon, comment on descend ici? Par là, je mets. Qu'est-ce que c'est foulé là? Hop, on descend là, là. Voilà. Quelque chose près de nous. Je sais plus c'est quoi. Je crois savoir ce que c'est. Ah oui. La fameuse la sorcière. Poiron. Je ne suis qu'une pauvre vieille femme. Ne vous embêtez pas pour moi. Hop là. Eh oui. Pauvre vieille femme. Hop. Genre un quart de drap. Artisanat. Cheveux. Ouais. Parfait. Donc un enchantement. Je sais pas, c'est qu'à désenchanter. Ah bah si, ça. Hop. Parfait. Platanise. Ma chère Algi, pourquoi hésiter? Tu peux sentir la puissance battre dans ton sang. Il te suffit d'aller chercher de la veste. Chercher de la saisir. Renonce à ce garçon et viens. Viens vivre avec moi dans la forêt. Ma soeur sera bientôt là, ensemble, et nous pourrons former une vraie assemblée et commencer réellement ta formation. Je sais pas si je peux l'être. Viens ici, toi. Tu disais. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'elle avait?
Tiens. Je vais en profiter pour désinventer son... son truc. Ça peut servir. Alors, du coup, je laisse une vie 50% plus vite. Voilà. Parfait. Allez, hop. Techniquement, on n'a plus besoin. Hop. Hop. Dark Froze. J'ai un petit cœur. Comment dire quoi dans sa compte. Ouais. Ouais. Ici dans le tour. Poume de terre. Spirituel. Ici dans le placard. Ouais. Bon. Ah oui, c'est vrai. Faut que je rentre là. La Victor à l'autre. Qu'est-ce que... Hein? Ah, c'est un chasseur. Tu peux. Bon, ok. Ah oui, je crois qu'il y avait un... Attends. Il semble que j'avais vu un filon de fer de là où j'étais. J'étais là-haut. Ah oui. Voilà, c'est ça. Allez hop. Filon de fer. Ah, nickel. Nickel. Un autre filon. Nickel. Deux filons. C'est parfait. Voilà. Nickel. Plein d'autres. Ouais, c'est bon. Vas-y. Hop. Descends de là-bas. Il est passé au chasseur. Parler. Je braconne. C'est avant. Regardez donc. Ouais. Il a que cette. Tiens, je demande ça. À bientôt. Oula. Si je traverse. Hop. Et voilà. C'est passé. Oh, nickel. Le noctuel. Je sais pas ce que ça peut faire avec. Et ils ont rajouté un petit panneau là. C'est cool ça. Casserole. On peut faire des trucs. Non, je peux rien faire. Ok. Alors, non. Voilà, c'est là. C'est là, c'est là, c'est là. Hop. Tiens, je suis mis en bas. Ne laissez pas ma sœur faire quoi que ce soit d'un coup. Vous l'avez trouvé ? Voilà. Étrange. C'est plus petit que dans mes souvenirs. Amusant, non ? Je vais remettre ceci à sa place. Vous nous avez rendu un fier service à ma sœur et moi. Je ne l'oublierai pas.
Et voilà. Cassant d'or dans la poche. Nickel. Voilà. Tiens, je peux aller rien dans le monde. C'est quoi qu'il faut? Ah, il faut du coin, non. Ok, j'en ai pas. J'en ai pas. Qu'y a-t-il? C'est pas ça que je voulais, c'est ça. On va se déplacer rapidement, comme ça c'est fait. Non. Ouais, aussi. On va passer directement à Blancherive. Bellator. J'ai des articles de. Je ne prétends pas être la meilleure forgeronne de Blancherive. Okay, cet honneur revient à Eorlund Grispoison. Ses armes sont légendaires. Hein? Ouais. Olfrid, le chef du clan des guerriers nés. Je suis sûr que ce nom vous est familier. Hop. Je suis content que vous soyez ici, pas à Rivebois. Ces misérables n'ont même pas un mur pour se protéger. Hop. Parfait. Ah, s'il est l'autre. Ah, il est là-bas. Vous voyez, la terminologie correspond clairement à l'ère première, voire à une période antérieure. J'ai l'intime conviction qu'il s'agit de la copie d'un texte bien plus ancien. Elle doit dater de la fin de la guerre draconique. Si c'est le cas, je pourrais retrouver les noms par croisement avec d'autres textes. Ouais, je comprends. Okay. Bien. Contente que vous progressiez. Mes employeurs veulent des réponses concrètes. Oh, pas d'inquiétude. Le Jarl a fini par s'y intéresser et il me laisse désormais le temps d'effectuer mes recherches. Le temps passe, Varangar, ne l'oubliez pas. Il ne s'agit pas d'une question théorique. Des dragons ont réapparu. Oui, oui, ne vous inquiétez pas. Même si je donnerais cher pour voir de près un dragon vivant. Maintenant, laissez-moi vous montrer une autre de mes trouvailles. C'est intriguant. Ça devrait aussi intéresser vos employeurs. Hmm? Ah, oui, la nouvelle coqueluche du Jarl. De retour du tertre des chutes tourmentées. Et visiblement en un seul morceau. Oh, la voilà. Pierre de dragon du tertre des chutes tourmentées. Vous n'êtes pas comme ces brutes que le Jarl a l'habitude de m'envoyer. Vous voyez plutôt avec le Jarl ou avec son chambellan, Avenici. Je suis sûr que l'un d'entre eux vous dédommagera à hauteur de vos efforts. Mon associée ici présente sera enchantée de voir votre travail. Elle en a découvert l'emplacement, mais a toujours refusé de me dire comment. Ainsi, vos informations étaient justes, et nous remercions notre camarade de l'avoir trouvé pour nous. Vous avez trouvé ça au tertre des chutes tourmentées? Bravo. Envoyez-moi un exemplaire quand vous l'aurez déchiffré. Varangar, vous devez venir sur le champ. Un dragon a été vu non loin d'ici. Vous devriez venir aussi. Un dragon, comme c'est grisant. Où l'a-t-on vu? Que faisait-il? À votre place, je prendrais ça plus au sérieux. Si un dragon décidait d'attaquer Blancherive, j'ignore si nous pourrions l'arrêter. Allons-y. Aïe. Ainsi, Rillette me dit que vous venez de la tour de Gay West. Je sais pas, non. Oui, seigneur. Dites-lui ce que vous m'avez révélé. Au sujet du dragon. C'est vrai. Nous l'avons vu arriver par le sud. Je n'avais jamais rien vu d'aussi rapide. Qu'est-ce qu'il a fait? Il attaque la tour de guet? Non, seigneur. Il ne faisait que décrire des cercles dans le ciel quand je suis parti. Je n'ai jamais couru aussi vite. J'ai
J'étais persuadé qu'il allait m'attaquer. Beau travail, fiston. On prend la suite. Allez manger un peu et vous reposer à la caserne. Vous l'avez bien mérité. Irilette, vous avez intérêt à rassembler quelques gardes et à descendre là-bas. J'ai déjà envoyé mes hommes se rassembler près de la porte principale. Bien, je compte sur vous. Nous n'avons pas de temps à perdre en cérémonie, camarades. J'ai encore besoin de votre aide. Je veux que vous alliez aider Irilette à combattre ce dragon. Ah. Vous avez survécu à Helgen. Alors vous avez plus d'expérience avec les dragons que quiconque. Mais je n'ai pas oublié le service que vous m'avez rendu en retrouvant la pierre de dragon pour Farangar. En gage de mon estime, j'ai dit à Venici que vous pouviez maintenant acheter une propriété dans la ville. Veuillez également accepter ce cadeau venant de mon armurerie personnelle. Je devrais vous accompagner, j'aimerais beaucoup voir ce dragon. Armure en peau de non, je ne peux pas risquer de vous perdre tous les deux. C'est quoi ? En peau d'illusion ? Ouais. Ok. Il va donner un autre truc aussi. Il faut que vous restiez ici à trouver des moyens de défendre la ville contre ces dragons. À vos ordres. Une dernière chose, Irilette. Ce n'est pas une mission suicide pour la gloire. Je dois savoir à quoi nous avons affaire. Ne vous en faites pas, monseigneur. Faire attention est naturel pour moi. Ouais. Vous allez voir ce dragon de près, comme je vous envie. Bonne chance. J'espère que vous arriverez à temps. Ah, attends, pourquoi elle ne s'arrête pas de bugger là ? Hop. Twitch sur l'appui de Twitch sur mon tel. C'est que j'ai pas le. Allez. Arrête pas de payer. Allez. Hop, juste un stream. Voilà, c'est bon. Voilà. Vous savez quel est le problème de bord de ciel ces temps-ci? Tout le monde est obsédé par la mort. Allez. Prends du cul. Allez. Où est-ce qu'elle est passée? Voilà la situation. Un dragon attaque la tour ouest. Quoi? Dragon, c'est mal. Vous avez bien entendu, j'ai dit un dragon. Peu importe d'où il vient et qui l'a envoyé. Tout ce qui compte, c'est qu'il a commis l'erreur d'attaquer Blanchetrive. Mais, Huskarl, comment pouvons-nous affronter un dragon? C'est une bonne question. C'est la première fois que nous voyons un dragon, et nous n'aurions jamais pensé devoir en combattre un. Mais si minces soient nos chances de victoire, notre honneur nous commande de l'affronter. Ce dragon menace nos maisons, nos familles. Si vous fuyez devant ce monstre, vous souillez l'honneur des Nordiques. Allez-vous me laisser le combattre seul? Non, nous sommes morts. Mais nous risquons plus que notre honneur aujourd'hui. Réfléchissez, c'est le premier dragon aperçu en bord de ciel depuis le dernier âge. Si vous me suivez, l'honneur de sa mort nous reviendra. Alors qu'en dites-vous? Allons-nous mettre du dragon au menu de ce soir? Oui. Bien dit. Oui. Ne restons pas là. Allez hop. Je vais me parler. Là, tu le dragon.
trouver par là. Hop. Ouais. Allons-y. Ah, les intervenants, c'est ça. Qu'est-ce qu'il fout? Sérieux quoi? Il est toujours ici, quelque part. Il vient d'attraper Rocky et Thor, qui essayaient de s'enfuir. Que Kinaret nous garde. Le revoilà. Alors, Stark. Que Talos nous vienne en aide. C'est un dragon. Voici les... Derrière. C'est continué. Je vois rien avec la fumée. Ça, j'aurais un point de vue. Il se pose. Je redescends. Non, pire. Je descends, go. Vous le trouvez pas. Je le tue. Ok, j'ai eu le temps de le descendre. Alors, hop. Si vous les creux, c'est ça, les ferments. Je vais en favori aussi. Vous pouvez pour lancer un cri. Ce qu'il y a de sacré. Ça, c'est un... Vous êtes un enfant de dragon. Sur leur montagne. Un enfant de dragon. Que voulez-vous dire ? Dans les récits les plus anciens, qui remontent au temps où il y avait encore des dragons en bord de ciel, les enfants de dragons tuaient ces monstres et volaient leur pouvoir. C'est ce que vous avez fait, n'est-ce pas ? Vous avez absorbé le pouvoir de ce dragon.
Oui, je le pense. Je pense que vous pouvez crier maintenant. Cela ne peut signifier qu'une chose. Vous devez être un enfant de dragon. Enfant de dragon ? De quoi parlez-vous ? C'est vrai. Mon grand-père me contait les histoires des enfants de dragon. Ceux qui sont nés avec du sang de... Alors... Bien sûr, je monte les en pot. Bon, dans leur veine, comme ce bon vieux Tibère Septime lui-même. Je n'ai jamais entendu dire que Tibère Septime avait tué des dragons. À cette époque, il n'y avait pas de dragons, imbécile. C'est la première fois qu'ils reviennent depuis une éternité. Mais les anciens récits parlent d'enfants de dragons qui pouvaient tuer les dragons et leur voler leur pouvoir. Vous devez en être un. Qu'en dites-vous, Irilette ? Vous êtes terriblement silencieuse. Allons, Irilette, dites-nous. Croyez-vous à ces histoires d'enfants de dragons ? Vous feriez mieux de vous taire, plutôt que de bavasser sur des sujets dont vous ignorez tout. Nous avons un dragon mort, et ça, c'est une chose que je peux comprendre. Maintenant, nous savons que nous pouvons les tuer. Mais je n'ai nul besoin d'enfants de dragons mythologiques. Quelqu'un capable de terrasser un dragon me suffit largement. Fous ! Oh mon Dieu, quel genre de pouvoir est-ce là ? Vous n'êtes pas nordique. Parcouru Tamriel de long en large. J'ai vu des milliers de choses au moins aussi exotiques que ça. Je vous conseille de faire confiance au bras qui tient votre épée, plutôt qu'aux fables et aux légendes. Vous venez de crier à l'instant. C'est forcément ça. Vous êtes vraiment un enfant de dragon, alors. Bon. C'est bon. Rien en train de machin. Parfait, ça. Où est la lavande? Hop. Ouch. Sur quoi j'ai marché? Écoutez, on vous a déjà dit que vous n'aviez rien à faire ici. Repartez d'où vous venez. Nous ne voulons pas causer de problème. Tout ce que nous demandons, c'est de pouvoir la chercher. Je me fiche de ce que vous faites. Après ce qui s'est passé, vous avez de la chance que je ne vous jette pas en tôle. Tirez-vous. Nous reviendrons. Ce n'est pas terminé. Hé, vous ! Nous sommes à la recherche de quelqu'un à Blancherive et sommes prêts à payer pour obtenir des informations. Qu'est-ce que vous cherchez ? Une femme qui ne vient pas d'ici. Une rouge garde, comme nous. Je ne pense pas qu'elle utilise son vrai nom. Nous sommes prêts à payer pour toute information concernant l'endroit où elle se trouve. Nous ne sommes pas les bienvenus ici, à Blancherive. Vous nous trouverez à Rorikbourg si vous apprenez quelque chose. Vous cherchez votre personne. Cela ne vous regarde pas. Tout ce que je peux vous dire, c'est que nous payons pour obtenir des informations. Si cela ne vous intéresse pas, je ne vous retiens pas. Okay. Cela ne vous regarde pas. Tout ce que je peux vous dire, c'est que nous payons pour obtenir des informations. Tiens. Je ne prétends pas être la meilleure forgeronne de Blanchet. Épée, casque, à peu près tout ce qu'il vous faut. Alors, je vais te vendre. Vision, je garde pour désenchanter. Je te rends ça.
N'oubliez pas d'aller voir à l'intérieur si vous avez besoin de quoi que ce soit. Vous avez déjà essayé d'être mercenaire ? Ça pourrait vous convenir. Parfois, la vie de soldat me manque. Mais quand je tiens ma fille dans mes bras, je sais que j'ai fait le bon choix. Ouais. Très bien. Paris Smir, vous avez réussi. Vous avez tué un dragon. Il se raconte des choses parmi les gardes. Que vous seriez enfant de dragon. Eh ben, c'est rapide. Sûrement, c'est pas possible. Je serais bien plus réchauffé et sacrément plus heureux avec un peu d'hydromel. Bon, ça c'est sûr. Hop. Ce n'est tout de même pas vous l'enfant de dragon de la légende, si ? Putain, ça va vite. Hein. Les informations vont vite. Ah, vous voilà enfin. Bien, le Jarl vous attend. Bien. Vous avez entendu l'appel. Qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire d'autre ? Les grises barbes. Nous parlions justement de vous. Mon frère aimerait vous dire un mot. Que s'est-il passé à la tour de garde ? Le dragon était-il là ? La tour de guet a été détruite. Nous avons tué le dragon. Je savais que je pouvais compter sur Irilet. Mais il doit y avoir autre chose. Il s'avère que je pourrais être enfant de dragon. Que savez-vous au sujet de l'enfant de dragon ? À la main du dragon, j'ai absorbé son pouvoir. Alors c'est vrai, les grises barbes vous invoquaient bel et bien. Les grises barbes. Les maîtres de l'art de la voix. Ils vivent reclus au sommet de la gorge du monde. Que veulent les grises barbes ? On dit que l'enfant de dragon possède un don unique pour la voix. La possibilité de concentrer son essence vitale dans un tout-oum, un cri. Si vous êtes vraiment enfant de dragon, ils pourront vous apprendre à utiliser votre don. N'avez-vous pas entendu le bruit assourdissant qui a retenti à votre retour de Blanche Rive ? C'était la voix des grises barbes qui vous demandait de venir au haut Rodgar. Cela ne s'est pas produit depuis des siècles au bas mot. Pas depuis que Tiber Septime en personne a été invoqué alors qu'il était encore Talos d'Atmora. Du calme, Rongar. Qu'est-ce que ces histoires de Nordiques ont à voir avec cette personne ? Elle est peut-être très capable, mais je ne vois aucun signe que ce soit une enfant de dragon. Des balivernes nordiques ? Espèce d'ignorant pompeux. Ce sont nos traditions sacrées qui remontent au temps de la création du Premier Empire. Il ne faut pas être aussi dur avec Avenichi, Rongar. Sans vouloir vous manquer de respect, bien sûr. Je me demande juste ce que ces grises barbes lui veulent. Ce sont les affaires des grises barbes, pas les nôtres. Quoi qu'il se soit produit quand vous avez tué le dragon, cela a révélé quelque chose en vous. Et les grises barbes en ont été prévenues. S'ils vous considèrent comme enfant de dragon, qui sommes-nous pour dire le contraire ? Vous feriez bien d'aller au Rodgar sans attendre. Nul ne peut refuser de se rendre à une convocation des grises barbes. C'est un immense... Je vous envie, vous savez, pouvoir gravir encore une fois les 7000 marches. J'ai déjà fait ce pèlerinage une fois, vous savez. Le haut Rodgar est un lieu très paisible, complètement déconnecté des troubles de notre monde. Je me demande même si les grises barbes savent ce qui se passe. Elles n'ont jamais semblé se préoccuper de nous jusque-là. C'est sans importance. Allez au haut Rodgar et voyez ce que les grises barbes sont en mesure de vous apprendre. Vous avez rendu un grand service à ma cité et à moi-même, enfant de dragon. En mon droit de Jarl, je vous nomme Tan de Blanche Rive. C'est le plus grand honneur que je puisse vous accorder. Lydia vous fera office du Skarl pour veiller sur votre demeure, et je vous offre cette arme de ma propre armurerie, qui vous servira d'insigne de fonction. Parfait. Je vais également prévenir mes hommes de votre nouveau statut. Il ne faudrait tout de même pas qu'ils vous traitent comme le reste de la plèbe. C'est un honneur pour nous de vous avoir pour Tan, enfant de dragon. Revenons à nos moutons, Proventus. Nous avons encore une ville à défendre.
Oui, Seigneur. Parfait. Je prends. Venez à Fort Dragon et nous discuterons des hostilités comme les autres grands guerriers. Hop. Alors, mage de Blancherine. Ça déjà. Voilà. Sans fin, juste objet, arme, acier raffiné. Les moins 20 de niveau 3 et inférieur fuient pendant 30 secondes. Bref. Hop, je les enchante. Ouais. Voilà. Il semble que ce maudit conflit déchaîne toutes les passions. Moi, je préfère me plonger dans mes mains. Ah, voilà, Lydia. Le Jarl m'a demandé d'être votre Huskarl. C'est un honneur de vous servir. Non. C'est ça. Je vous suis. Parfait. C'est parti. J'ai un truc à vendre. Les objets que j'ai. Une flèche. Ouf. Ça je lâche, j'en ai pas besoin. Alors. Potion. Parchemin. Culture. Triste, pas vrai? Je vends quelques trucs. Passez-vous souvent dans le quartier des nuées? Oh, mais qu'est-ce que je raconte? Bien sûr que non. Ouais, oui. Vu que son quartier n'existe pas. Oh. Hop. J'ai quelque chose pour à peu près tout le monde ici. Voilà, béton. Qu'est-ce que t'as à vendre? Regardez donc. Ça, je m'en fous, je vais juste vendre ça. Amethyste, rose dragon je garde, quel dragon je garde aussi. Voilà. Revenez donc. Ça va être incongru. Mais qu'est-ce que vous faites? Oups. J'ai pas vu si t'es volé. C'est quelque chose pour à peu près tout le monde ici. Faites-moi signe si vous avez des questions. Il y en a qui appellent ça de la camelote. Moi, j'appelle ça des trésors. Alors. Améthyste. Et c'est bon. Voilà. Revenez donc.
Vous venez discuter avec une vieille femme, faire votre bonne action de la journée. Ok. La Forever. Soit je passe par là, soit je passe par Fagaise. J'ai envie de passer par les montagnes. Est-ce que j'ai assez pour un cheval? Non. Non, c'est pas ça que je voulais. Chop. J'ai fait 2000 d'or. Je crois que c'est 3000 pour le cheval. Combien? J'ai les chevaux les plus rapides de tout. Je suppose. Je viens justement d'en sceller un, si vous avez l'argent. Ah, 1000 pièces d'or. Hop, marché conclu. C'est celui avec la selle. Pas aujourd'hui, j'ai vendu le dernier. Je crois bien que c'était à vous d'ailleurs. Ah, c'est vrai qu'il... Ok, il y a un truc qui gêne sur la souris. Ah, c'est bon. Parfait. Allez. Non. Ah mais c'est ça. C'est ça. C'est pas un cagé de ça. Comment on fait pour descendre? Ah, c'est. Ah, ok. Cagé. Est-ce que c'est mieux? 32. Mon armure. 37. Haute impériale 14. Haute fer 13. Bien, bien. Il a le deuxième quand même. Ah non, c'est bon. Casse de fer. Donc il est 13. Ouais. Mon cheval. Il y a qui là-bas. Ouais. Non. Je vais boire.
Ok. C'est le même que j'ai dessus. Je suis malade, non? Le carte. Non. Ah, c'est chaîne droite. Ouais, ok. C'est pas légal ça? Petit truc à récupérer. Non, je viens. Je suis obligé. Je suis obligé, ouais, je suis obligé. Tant pis. Plus de santé. Voilà. Pas un petit truc à récupérer là-dedans. Vide. Je prends. Bon, après, il n'y a pas. C'est un tout petit début donc. Ok. Je vais aller voir un petit peu. On va aller faire une gosse. Rien
ici. Petit truc là-dedans. Il n'y a plus de cadavres ici. Cheval, on se casse ici. Ok, t'es totalement perdu. Je suis là. Côté gauche. C'est vache quand même. Comment sont braves les pierres. Qu'est-ce qu'il veut dire ? J'attends de mourir avec dignité. Si vous n'êtes pas là pour m'accorder une mort décente, alors allez-vous-en. Mon heure est venue. Je suis vieux. Trop vieux pour devenir chef. Ça ne serait pas bien que je prenne des épouses à mon âge. Alors il me faut mourir. Malakat m'a envoyé une vision dans laquelle je mourrai glorieusement. J'attends ici qu'elle vienne à moi. Comme vous pouvez le constater, ça n'est pas encore arrivé. Je pourrais peut-être vous donner la mort. Peut-être. Vous croyez ? Je m'en doute pas. Je vais vous donner une belle mort. Nous verrons. Vous n'auriez jamais dû venir ici.
Voilà. Hop là. Petite baraque ici. Local à papillon. Vision de sauvegarde. Je prends. De la chimiste. Venir ici était une excellente idée. La flore locale semble avoir de nombreuses propriétés très utiles que j'ai pu utiliser dans de nombreuses potions. Dehors, la richesse du sol m'a permis de faire pousser des plantes que j'avais cueillies. Et celles-ci semblent porter à merveille. Après-midi, cet après-midi, je pense aller chercher d'autres champignons car je commence à en manquer. Par ailleurs, j'ai déplacé tout mon matériel d'alchimie hors de ma cabane. Je trouve l'air au milieu de journées très bon pour la santé et il m'inspire dans mon travail. Ok. One shop. Parfait. Ouais, 40. Poussière luisante. On va faire quelques potions, voilà. Potion échouée. Potion échouée. Cheval. Là. Encore des lignes.
Ok. Alors le papillon peut pas me laisser passer. Ok. Thorivar. Aujourd'hui, je ne suis pas prêt à grimper jusqu'au haut Rodgar. Le sentier est dangereux. Les Grisbarbes n'attendaient-ils pas des provisions? Honnêtement, j'en suis pas certain. Je ne suis pas encore autorisé à pénétrer dans le monastère. Ça arrivera peut-être un jour. Non. Vous vous rendez au haut Rodgar? Moi aussi. Je m'apprête à y aller pour faire une livraison. Quel genre de livraison faites-vous? Je livre surtout des provisions, comme du poisson séché ou des viandes salées. Vous savez, de la nourriture qui se conserve longtemps. Mm-hmm. Les Grisbarbes ne sortent pas beaucoup, si vous voyez ce que je veux dire. Ouais, je vois. Et en échange? Bien, nous avons un petit arrangement. Vous comprenez, je me sentirais mal de leur faire payer cette nourriture. Le problème, c'est que je suis plus tout jeune, et que les 7000 marches m'en font baver. Je pourrais le faire pour vous. Vraiment? Ce serait bien aimable de votre part. Tenez, prenez ce sac de provisions. Au sommet des marches, vous verrez le coffre de collecte. Laissez le sac à l'intérieur et le tour est joué. Ok. Faut que je fasse attention à quelque chose de particulier. Eh bien, on rencontre parfois une meute de loups ou une bête égarée, mais rien de plus. Ça devrait pas être un problème pour quelqu'un dans votre genre. Sinon, faites attention où vous posez les pieds. Durant l'hiver, les escaliers peuvent être traîtres. Ok. Faites attention là-haut. Oh, on va s'arrêter là pour cet après-midi. Du coup, hop. Sauvegarder. Voilà. Du coup, on va s'arrêter là pour cet après-midi. Du coup, on va se retrouver ce soir pour du. Du Altica, comme d'hab, du coup, bonne soirée tout le monde, bon après-midi tout le monde, et à ce soir. Allez, des bisous.